Mes araignées les plus proches sont quand même relativement loin de chez moi. Hop. Un coup et on recule quand il y a plusieurs araignées. Pendant ce temps-là, la santé mentale descend. Hein. Un coup et on recule. Hop, c'est pas grave, j'ai mon casque. Donc la santé mentale recule quand on est à portée des araignées. Je vais juste emmener ce nid-là à côté de chez moi. Je vous montre après, juste après pourquoi. Voilà. Il y a une autre stratégie qui consiste à construire un piège pour aller vider un nid, mais tant qu'on peut se les faire sans, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc, j'ai détruit le nid. Il faut qu'il soit niveau 3. Ça sert à rien de détruire des nids de bas niveau. Ce qui va me permettre d'obtenir des spider eggs, des nids de, des œufs d'araignée. Et pas mal de toile d'ailleurs, parce que mon campement est ici et que, comme vous le voyez, il n'y a désespérément pas d'araignées à proximité. Donc j'ai dû venir jusque là-haut pour récolter les araignées. Et maintenant que j'ai ces spider eggs, on peut planter un nid d'araignée qui sera un nid d'araignée de niveau 1, qui donc ne donnera aucun résultat, enfin aucun spider eggs, aucun œuf à son tour. Il faudra attendre de nouveau qu'il monte niveau 3. Ceci dit, c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, dès le moment où on va le planter, il y a trois araignées qui vont en pop. Enfin, qui peuvent en pop. Si on l'excite comme n'importe quel autre nid. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'explication de comment vider et re-remplir un nid d'araignée. Je vais pas prendre de risque avec ces abeilles-là. J'ai déjà perdu suffisamment de points de vie. Vu que j'ai pas trop géré mon combat. Et je coupe l'enregistrement ici. On va tout de suite voir...